Ah, là voilà, on va prendre le grand. Voilà. vectoriel part entre IB, ce que je vais appeler par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a considéré des ensembles, par exemple, qui se nomment grand F, qui sont de la forme, j'en avais parlé, c'est un vecteur U appartenant à E, qui serait E à un ensemble de référence. Même plus qu'un ensemble de référence, c'est même un espace vectoriel de référence, très souvent, tel que on a une condition sur U qui soit vérifiée. Et ça, c'est des ensembles qui vont s'écrire comme ça, on va en voir des dizaines et des dizaines, et on pourra toujours prouver que c'est un espace vectoriel, ce que j'appelle, là, pour le vocabulaire d'aujourd'hui, par l'extérieur, en prouvant que le vecteur nul de E appartient à F, et ce que j'appelle la stabilité, c'est-à-dire que pour tout UV dans F, je veux pour tout alpha dans R, je veux que U plus alpha V appartienne à F. Ça, on l'a vu, vous êtes d'accord, c'est globalement ce qu'on a fait mardi. Ça marchera toujours, dès que je vais vous donner un ensemble F sous cette forme-là, vous pourrez toujours me prouver que c'est un espace vectoriel de cette façon. Il y a une meilleure façon de décrire un espace vectoriel, ça c'est la façon de le décrire entre guillemets par l'extérieur. On peut aussi décrire un espace vectoriel par l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si un sous-espace vectoriel vérifie ces conditions-là, qui sont écrites ici, comment puis-je décrire un espace vectoriel par ces éléments? Alors, je vais reprendre là, j'ai mis mon PDF là pour vous montrer, enfin pour le voir en même temps. On va partir plutôt sur la définition 3 du poly, page 4. Pour ça, je vais vouloir définir quelque chose. On va définir donc la notion de sous-espace vectoriel engendré. On va considérer ce qu'on appelle une famille de vecteurs, c'est-à-dire une collection. Je vais vous donner une collection finie de vecteurs ici, soit U1 jusque UN par exemple. N vecteurs d'un espace vectoriel E. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, je renote le cours au tableau à chaque fois, mais c'est uniquement pour remettre des flèches sur ce qui est vecteur et ne pas mettre de flèches sur ce qui est réel, afin que vous faites bien la différence, mais l'idée, c'est exactement la même chose que dans le cours. Comment je peux créer un espace vectoriel à partir de cette collection de vecteurs? L'idée est très simple en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? Et pour le comprendre comme ça, c'est vraiment la bonne façon de comprendre maintenant qu'on sait prouver que des choses sont des espaces vectoriels. C'est vraiment la propriété de stabilité. Un espace vectoriel, en fait, c'est quelque chose où si je prends deux éléments de l'espace vectoriel et que j'en fais des combinaisons linéaires, ou même plusieurs éléments et que j'en fais des combinaisons linéaires, je dois rester dans le même espace vectoriel. Ça doit vérifier les mêmes propriétés. Donc là, la question, c'est, OK, je vous donne une famille de n vecteurs, comment je peux créer l'espace vectoriel qui contient ces n vecteurs? C'est très facile, je peux en créer un très facilement qui contient ces n vecteurs. Je vais considérer cet ensemble-là. Je vais le poser F. Ça va être ce que je vais appeler l'ensemble de tous les vecteurs V de E, tel que, en fait, V va pouvoir s'écrire comme la somme pour I égale 1 à N des alpha I UI, avec bien sûr alpha 1 jusque alpha N, les alpha I, qui sont N réels. R puissance petit n, pardon. Ceci, je préviens cet ensemble F, donc, comme l'ensemble des combinaisons linéaires. Une combinaison linéaire des vecteurs UI, c'est bien écrire 3 fois U1 plus 4 fois U2 moins 5 fois U3 jusqu'à plus 18 fois UN. Donc c'est bien un truc qui s'écrit avec le symbole somme que je vous ai écrit ici. C'est bien, donc un vecteur V est là-dedans s'il est une combinaison linéaire des vecteurs UI. Alors on a une propriété très 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 puissante de cours qui nous assure, on n'a pas à le prouver, que ceci est un espace vectoriel. Alors F est un SEV de E. Normal, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires. Enfin, c'est ensemble. Donc, est-ce que c'est stable par combinaison linéaire? De façon évidente, oui. Et de plus, on va pouvoir le noter autrement, cet espace vectoriel, et on le note. F, en fait, on va le noter comme vect de U1
jusque UN. C'est-à-dire que la notation vect, pour vraiment espace vectoriel engendré, veut dire je prends l'ensemble des combinaisons linéaires de l'ensemble des vecteurs que je mets dans le vect. Alors, un exemple pour essayer d'expliquer ça. Je vais me permettre de changer de page. Hop. Un exemple pour expliquer ça, c'est quoi vect de, alors allons-y, prenons, je sais pas, un ensemble de matrices, c'est quoi vect de I3, et derrière I3, je mets le vecteur, je sais pas, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. C'est quoi cet ensemble-là vec de I3 et de 1, 1, 1, 1 ? Bah, si vous avez compris la définition, c'est l'ensemble, alors ça va être quoi comme type d'objet dans ce vect ? Des matrices de taille 3, 3. Donc ça va être l'ensemble des matrices M de M3 de R. Comment on va s'écrire M ? Bah, M, ça va être une combinaison linéaire de ces deux matrices. Donc ça va être alpha I3, je n'ai pas écrit I3, mais vous savez que c'est la matrice identité. Alors c'était l'équivalent de alpha 1, je vais peut-être noter alpha 1 et alpha 2 pour par similité à l'autre notion, sinon j'aurais écrit alpha bêta et alpha 2 fois. Donc c'est l'ensemble avec bien sûr alpha 1, alpha 2 qui sont deux réels. Donc si je le réécris encore, cet ensemble, c'est l'ensemble des matrices M de M3 de R, tel que bah, la matrice M, je peux la réécrire en fait, c'est très facile. Sur la diagonale, j'ai alpha, ici, enfin, ici j'ai alpha 1 plus alpha 2, ici je vais avoir alpha 1 au milieu, en bas je vais avoir alpha 1 plus alpha 2, et partout ailleurs, je vais mettre des alpha 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne peux pas beaucoup le décrire de façon un peu plus optimale que ça. Mon ensemble vect pour ces deux matrices-là, par exemple, c'est cet ensemble-là. Ok, alors où je veux en venir ? Je vais vous remontrer quelque chose, et vous allez le comprendre très très vite. Je reviens très très vite sur l'exercice 11. Qu'on a fait mardi. L'exercice 11, je vous ai demandé de prouver que l'ensemble F, qui était l'ensemble des matrices de M3 de R, tel que M pouvait s'écrire AAA, c'est les matrices circulantes, donc BBB, CCC, ABC appartenant à R3, je vous ai demandé de me prouver que c'est un espace vectoriel. On l'a fait mardi, hein, ça. Question. Avec cet nouvel aspect d'espace vectoriel engendré, est-ce que vous ne voyez pas une similarité entre ce que je viens de vous écrire au-dessus et l'ensemble que je viens de décrire ici ? Comment pourrait-on écrire cet espace F ? Alors là, j'aimerais bien pouvoir supprimer juste le haut, sans changer de page pour que vous ayez encore ça. Si je fais effacer, ça efface tout, bien sûr. Annuler, heureusement. Et si je sélectionne une zone, je dois pouvoir là, si je sélectionne tout ça et que je fais effacer, bien sûr, ça ne marche pas. Génial. Bon, au moins ça lisse un peu mon écriture, mais ça fait pas mieux que ça. Donc je vais changer de page pour montrer ça. Je vais le réécrire en haut de page, du coup, de la page d'après. Mais en gros, je vais l'écrire un tout petit peu différemment. Je vais écrire que... Je vais repasser en stylo. Je vais écrire que ma matrice M appartient à mon ensemble F. C'est équivalent à ce que ma matrice M s'écrive... non, les B étaient au-dessus, donc le dernier B est là, là ce sont des C, et là c'est un C. Comment pourriez-vous me réécrire ça ? Donc, vous avez vu qu'il y a une similarité. Pour exhiber, pour montrer la similarité, il faut arriver à retrouver la famille qui permet de s'écrire à l'intérieur de vect. Et cette famille, c'est une famille de matrices fixes, c'est pas des combinaisons linéaires avec des paramètres.
Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire cette matrice ABC comme une combinaison linéaire de matrices fixes? François? On pourrait faire une matrice d'identité A fois ça, je suis d'accord avec toi. Plus B fois... Alors, sur la diagonale des zéros, en ligne, si on la complète en ligne maintenant, 1, 0, ici, 0, 1 et 1, 0. Et je vais encore écrire à côté, plus C fois 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, si vous êtes d'accord avec ça, si vous voyez ce genre de choses, M est dans F si et seulement si M s'écrit comme ça, ceci est équivalent à écrire instantanément que F est égal à vect de donc 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, virgule, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et si vous faites ces deux lignes-là, vous venez de prouver instantanément que grand F est un espace vectoriel, parce que tout espace engendré est un espace vectoriel. Donc, c'est-à-dire que ça refait une deuxième preuve de l'exercice 11. La preuve standard, c'est on montre que le vecteur nul est dedans et que c'est stable par combinaison linéaire, méthode de mardi, preuve d'obtenir un espace vectoriel par l'extérieur, entre guillemets. Ici, si vous arrivez à reconnaître qu'un espace vectoriel peut s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs fixes, alors vous l'écrivez instantanément vect de ces vecteurs fixes, cela prouve que c'est un espace vectoriel. Maxence ? Alors justement, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois, tous les espaces ne peuvent pas s'écrire comme vect d'une famille. Donc l'autre méthode marche 100% du temps, celle-ci ne marche pas 100% du temps. Autre façon aussi de voir ça qui peut poser problème, c'est que parfois, il sera plus long d'arriver à exhiber la famille de vecteurs fixes, plutôt que de faire la preuve en prouver que 0 est dedans et prouver que c'est stable par combinaison linéaire. On va en faire un deuxième un peu moins simple là, pour vous rendre compte que c'est pas toujours si évident que ça. Alexis ? Là, j'ai juste retraduit les notations de l'énoncé parce que j'ai dû changer de page. C'est juste ça. Mais F, c'était l'ensemble des matrices M qui s'écrivaient A, 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 B, 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 enfin, C, comme ça. J'ai juste repris cette notation-là. Simon. Dans la définition 3, on a une somme avec des K avant d'avoir un N et on n'a pas de K à l'intérieur de la somme. J'ai mis des I ? Ouais. Bah, c'est que la somme ne doit pas être sur K mais sur I, excusez-moi. Là, au tableau, j'ai bien mis une somme sur I. Donc, c'est une faute de frappe. Donc on a vu en même temps que la définition 3, on a vu le théorème 1, l'espace engendré par une famille finie de vecteurs est un sous-espace vectoriel de E. On va pouvoir parler donc des noyaux notamment bientôt, mais j'ai envie d'abord, avant de parler de noyaux, de revenir sur un autre exercice qu'on a fait mardi, pour vous montrer que c'est pas toujours évident de trouver la famille génératrice, je vais utiliser un mot que vous connaissez pas encore, excusez-moi, de trouver les éléments qui sont dans le vecteur. Même quand c'est à peu près évident. On avait fait comme exercice, il est où celui-là ? L'exercice 7. On va revenir sur l'exercice 7. L'exercice 7, on avait montré que grand F, encore une fois, je vais l'appeler grand F, c'était l'ensemble des polynômes de R3 crochet X, tels que P de 0 est égal à 0. Et on avait montré que F était un SEV de R3 crochet X. Et ça avait permis de conclure à tout ça. Comment peut-on essayer de trouver une famille de vecteurs finis qui génèrent, qui vont engendrer, entre guillemets, cet espace-là? Ben, il faut arriver à traduire ce que ça veut dire que P appartienne à F. Comment vous traduiriez que P appartient à F? Ça veut dire deux choses.
Alors, première question, et c'est toujours le même problème, mais maintenant, pour faire des espaces vectoriels, cette question-là, elle va devenir cruciale. Vous ne pourrez plus vous en passer. Ça veut dire quoi? R3 crochet X. Baptiste? Forcément 3? Au moins? Non! Ah, c'est pas possible! Au plus! Ah, ou moins, j'avais compris au moins, excuse-moi, c'est de ma faute. Au plus de degré 3, donc de degré 3 au moins. Donc comment on peut écrire un polynôme de degré 3 au moins? À vous de voir, hein. Simon? Ouais. Ax cube plus bx carré plus cx plus d. Avec abcd dans R4, 4L, oui. Et l'autre condition pour être dedans, c'est qu'il faut que P de 0 égale 0. Mais si P de 0 égale 0, avec la condition que je viens de mettre, c'est tout simplement très simple. Ça vaut quoi P de 0 avec la notation qui est au-dessus? Ça fait D. Donc j'ai un polynôme qui doit s'écrire, et j'ai vraiment toutes les conditions, c'est bien une équivalence, qui doit s'écrire AX cube plus BX carré plus CX plus D, et qui en même temps doit vérifier P de 0 égale 0 égale D. Donc on est bien d'accord que ça c'est strictement équivalent à écrire que P s'écrit ax cube plus bx carré plus cx, en fait. C'est ça l'ensemble des conditions d'appartenance à l'ensemble. Avec abc, 3 réels. Alors là, c'est là où je peux pas vous apprendre à voir, entre guillemets. Chaque fois que vous aurez quelque chose comme ça, il faut que vous appreniez à le reconnaître. C'est vraiment la façon la plus simple, la plus rapide et la plus puissante de prouver que quelque chose est un espace vectoriel. Est-ce que quelqu'un peut me reconnaître ça, c'est vecte de quoi? On est dans grand F, qui est un espace de polynômes. Donc ce qu'on va mettre entre les virgules, les vecteurs, ce sont des polynômes fixes, sans paramètres devant. François, tu as fait le même. Léo, je n'avais pas vu. Oui, je suis d'accord avec toi. On est bien en train de générer des combinaisons linéaires du vecteur x cube, x carré et x. Écrire ça comme ça permet de prouver instantanément que grand F est un espace vectoriel, parce qu'on peut l'écrire comme vecte d'une famille, donc ça en fait un espace vectoriel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors par contre, est-ce que vous êtes d'accord qu'ici, comparé à l'autre exo où c'était quasiment affiché dessus que c'était un espace engendré, ici, il fallait quand même un petit travail. C'est-à-dire qu'il fallait penser à décomposer un polynôme dans ax cube plus bx carré plus cx plus d, puis penser à utiliser la condition p de 0 égale 0. Donc parfois, faire ces conditions-là, il ne faut pas perdre l'équivalence. Si vous perdez l'équivalence, vous n'avez pas le droit de dire que un élément est dans f s'écrit comme ça si et seulement si. C'est ça qui vous permet de dire que f, c'est l'autre ensemble. C'est pas forcément évident à chaque fois de le faire. Typiquement, et là c'est juste, je vous le dis juste à l'oral, on avait fait l'exercice 5. On avait montré que l'ensemble des fonctions continues et paires de R dans R est un espace vectoriel. Je vous garantis que sur cet ensemble-là, on ne peut pas contourner la méthode de preuve par l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas écrire cet espace de l'ensemble des fonctions continues et paires comme étant généré par une famille finie de vecteurs. Est-ce que quelqu'un a une intuition, une idée de pourquoi? Alors là, c'est vraiment pour la suite du cours, mais lointain. Hein. C'est pas tout de suite, tout de suite. Au pire, ça sera peut-être la semaine prochaine ou en fin de semaine, vraiment à la dernière heure. Pourquoi ça marche mieux avec les matrices et les polynômes ici où ça marche bien, mais que je viens de vous dire qu'avec les fonctions, ça marchait pas. Si vous comprenez ça, vous comprenez la notion, entre guillemets, une notion qui va être derrière la notion d'espace vectoriel, qui va être la notion de dimension. Si quelqu'un veut une idée de pourquoi c'est plus simple d'écrire un vecte ou d'écrire quelque chose comme une famille avec des polynômes ou des matrices qu'avec des fonctions. François. Non, c'est pas vraiment ça l'idée. Je vais vous aider un tout petit peu. Ah.
Imaginons qu'une matrice M de R3, de façon générale, c'est ceci. Et vous êtes tous d'accord que c'est ceci. Vous êtes d'accord, si on ne sait rien, c'est 9 réels. Un polynôme, je veux dire n'importe quoi, de degré N. Un polynôme de degré N, c'est la somme. Une fonction f. Comment vous, si vous demande, je vous donne une fonction f qui est continue. Vous avez une façon de me la décrire de façon générale, Gaspard? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors c'est exactement ça. Non mais c'est vraiment ça l'idée. Tu n'as pas les mots pour le dire, mais c'est exactement ça l'idée. Le problème, c'est que c'est à peu près évident maintenant, vous le voyez, je pense. Une matrice quelconque de M3 de R, au pire, c'est A fois la matrice qui est là, plus B fois la matrice qui est là. C'est-à-dire que pour décrire une matrice, enfin, et bien sûr, il faut continuer, hein, je ne le fais pas en entier, mais c'est-à-dire que pour décrire une matrice, il vous faut combien de réels ? Une matrice 3-3, il vous en faut 9. Une matrice n-n, il vous en faudrait n carré de réel. Ou n, une matrice n croix p, il vous en faudrait n fois p de réel. Mais il vous en faut un nombre fini, exactement. Un polynôme de degré n, alors attention à cette subtilité-là, un polynôme de degré n, il vous faut n plus un coefficient. Et un coefficient à 0. Attention. Donc un polynôme de degré n, il vous faut n plus un coefficient pour décrire un polynôme. Il vous faut donc, encore une fois, un nombre fini de réel. Une fonction ou une suite, c'est le même principe. À chaque x, et il y a une infinité de x en entrée, il vous faut un f de x en sortie. Donc il vous faut, pour décrire une fonction, une infinité de réels. Donc, une infinité de réels ne peut pas être représentée facilement par un nombre fini de vecteurs et des combinaisons linéaires finies de vecteurs. Donc, quand on aura parlé de ça, entre guillemets, on pourra dire, par exemple, que M3 de R, l'ensemble des matrices de taille 3-3, est un espace vectoriel de dimension 9. Il est représenté par 9 réels indépendants. L'ensemble des polynômes de degré N est un espace vectoriel de dimension N plus 1. Il est représenté par N plus 1 réel indépendant. L'ensemble des fonctions est un espace vectoriel de dimension infinie. Et c'est ça qui va tout jouer. Dès que vous, en fait, maintenant, je peux vous, si vous acceptez ce mot de vocabulaire qu'on reprécisera un peu plus tard, je peux vous donner une précision sur pourquoi est-ce que ma preuve ne marche pas dans l'exercice 5 et qu'elle marche dans les autres exercices. Bah, tout simplement, parce que dès qu'on va avoir un espace, comme l'espace des matrices qui est défini par 9 réels, il sera toujours, je dis bien toujours possible de décrire l'espace, le sous-espace vectoriel que vous considérez comme étant vecte d'une famille finie. Au pire, elle devrait comporter certainement 9 vecteurs, mais ce sera toujours vecte d'une famille finie. Alors que quand vous serez dans un espace de dimension infinie, il n'est pas forcément possible de réduire ça à une combinaison linéaire de vecteurs finis. Alors, donc c'est ça qui fait que cette méthode du vect ne marche pas 100% du temps. Par contre, si je vous place dans Rn crochet x, dans Mnp de R, là, il y a de très 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 grandes chances que vous puissiez l'écrire vect. Ah, je ne peux pas vous le garantir, ce sera peut-être plus rapide de passer par la méthode par l'extérieur, c'est-à-dire la méthode 0 et dedans, c'est stable par combinaison linéaire, mais moralement, on pourra très certainement l'écrire avec. Ok, ça c'est vu. Alors, on va enfin pouvoir parler de ce que j'ai mis de côté la semaine dernière, c'est la notion de noyau d'une matrice. Donc là maintenant, on oublie le reste des espaces vectoriels, on va se concentrer sur un type d'objet, les matrices, et on va parler du noyau d'une matrice. Donc, c'est un peu dans le chapitre précédent, mais j'ai remis des petits bouts de notation dans le chapitre sur les espaces vectoriels, parce que je savais que j'allais en parler à ce moment-là. Alors, quand je vous donne A qui appartient à Mn de P, Mnp de R, pardon, on appelle le noyau de A, donc ce qu'on appelle quart de A, c'est l'ensemble... Alors, des vecteurs x qui peuvent se multiplier par cette matrice, donc c'est l'ensemble des vecteurs x appartenant à Rp. Je vais changer. Est-ce que je peux faire annuler? Comment je fais? Oui, ça marche. Alléluia. Je vais appeler l'ensemble des vecteurs u ici. C'est juste que comme c'est un vecteur colonne, je préfère le mettre avec une flèche. C'est l'ensemble des vecteurs u de Rp
tel que A multiplié par le vecteur U, et on peut multiplier une matrice par un vecteur colonne, fait le vecteur nul de Rn. Ah, donc ça, c'est la définition, à connaître par cœur la définition de ce que c'est qu'un noyau. Ah, c'est très important, c'est peut-être la notion la plus importante sur les matrices. Alors, je sais qu'on n'a pas vu la semaine dernière, je veux dire, c'est bête de ne pas mettre la notion la plus importante, mais c'est celle qui a... On a besoin de savoir faire le reste pour en voir l'intérêt. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un noyau ? Première chose, et c'est quelque chose de très important et qu'il faut savoir, qu'R de A est toujours, vous pouvez l'utiliser et vous en servir, c'est toujours un sous-espace vectoriel de RP. Alors uniquement, attention, on est bien dans l'ensemble de départ ici, enfin des vecteurs qui permettent de se multiplier avec la matrice. Si la matrice n'est pas carrée, ça, il faut vraiment préciser les choses. Et deuxième chose, qu'R de A peut s'écrire comme un espace engendré par une famille de P-R vecteurs. Où R, en fait, c'est le rang de la matrice A. Donc, c'est le principe de ce que j'ai commencé à essayer de vous faire faire lundi en TD. J'ai essayé de vous faire écrire, à ce moment-là, uniquement des combinaisons linéaires de vecteurs. Écrire un noyau comme une combinaison linéaire de vecteurs. Maintenant, ce qu'on peut réécrire, c'est que si le vecteur dans le noyau s'écrit comme une combinaison linéaire de vecteurs fixes, alors le noyau s'écrit vecteur de la famille de vecteurs fixes. Donc, je vais reprendre la correction de l'exercice 2 du TD de lundi, celui que vous avez travaillé celui que vous aviez travaillé lundi, parce que dedans, j'ai mis un noyau de chaque de toutes les horaires qui peuvent vous arriver. Il y a deux types de choses qui, en général, vous perturbent dans des noyaux. Avoir une ligne de zéro, et pire qu'avoir une ligne de zéro, avoir une colonne de zéro. La colonne de zéro, en général, dès qu'il y a une matrice qui arrive avec une colonne de zéro, vous êtes complètement largué, vous me racontez n'importe quoi sur les noyaux. Donc, je le dis, on va le faire. Il faut que vous soyez clair là-dessus. Donc, je vais là-dedans. Je vais voir mon TD. Donc, allons-y. Donc, bien sûr, je viens de vous donner toutes les propriétés qu'il y a à connaître globalement sur les noyaux. Ça ne dit pas comment obtenir la famille qui permet de s'écrire sous forme de vecteur. Donc, il faut faire des exercices pour voir comment on fait ça en pratique. Alors, bien sûr, ça ne va pas me l'ouvrir. Allez. Non. Bon, c'est pas très très grave. Avant de corriger du coup l'exercice du TD, ça y est, il veut bien me l'ouvrir. Voilà. Alors, je vais corriger l'exercice 2 du TD. J'avais déjà écrit la matrice A. Alors, j'avais écrit en TD, je vais pas tout refaire pour celle-ci vu que c'est une matrice classique. A était une matrice comme ça, donc juste première chose, qu'R de A. Question. Je vous donne une matrice de taille 3-2. Enfin, 2-3. Deux lignes, trois colonnes, excusez-moi. Qu'R de A, c'est un SEV de R2 ou de R3? C'est un vecteur qui peut se multiplier à la matrice pour faire 0. Il est de quelle taille? Il est de taille 3 s'il peut se multiplier par la matrice. Donc attention à ce genre d'erreur. C'est ça que je veux dire par « il faut être sûr de ce qu'il y a au départ et à l'arrivée ». Donc, ce que je note en colonne en général, c'est que x, y, z appartient à qu'R de A. C'est si et seulement si x, y, z... A fois x, y, z est égal à l'arrivée au vecteur nul
Et là, le vecteur nul, si on multiplie une matrice 2, 3 par un vecteur 3, 1, on obtient un vecteur 2, 1. Donc, ça fait cette égalité-là. Je ne refais pas les calculs, je les ai fait lundi pour celui-là. Les autres, je ne les ai pas fait, mais celui-là, je l'ai fait lundi. On avait vu que ça, c'était équivalent à écrire que le vecteur XYZ était égal au vecteur ZZZ, et donc il était égal à Z fois 1, 1, 1. Alors ça, c'est ce que j'ai écrit au tableau lundi. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez m'écrire en termes d'espace, d'égalité d'espace vectoriel grâce à ça? Quaire de A, c'est vect. De quoi? Oui, de 1, 1, 1, c'est tout. Et cette compétence-là, trouver les vecteurs qui génèrent le noyau, est ultra importante. C'est certainement la compétence de deuxième année. Alors, vous allez dire, mais on est au mois de novembre de la première année. Mais c'est pas grave, ça. La compétence la plus importante de deuxième année que vous aurez à obtenir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ah, c'est en mettant ça dans des colonnes d'une matrice P qu'on pourra faire du P-1 AP, qui est égal à une matrice diagonale et qu'on pourra faire des calculs de puissance de matrice. Donc moi, à mon niveau et à votre niveau de première année, notamment, il y a un exo déjà comme ça dans le DS, même si je ne suis pas encore trop sûr de ce que je mets dans votre DS, il y en avait dans le deuxième exo du DM, le dernier exo du TD de lundi. C'est toujours la même chose. Je vais vous donner une matrice. Je vais vous en faire trouver un polynôme annulateur. Ce polynôme annulateur, il va avoir des racines. Une fois qu'on va avoir les racines, on va aller regarder les noyaux de Caire de A moins, si les racines c'est lambda 1, lambda 2, lambda 3, moins lambda I fois l'identité. Ces noyaux, on doit en trouver, on doit pouvoir les écrire sous forme de vectes pour pouvoir trouver les matrices colonnes de la matrice P. Pour faire ce travail-là, je vais vous faire une question sur le polynôme annulateur, une question sur les racines, une question pour chacun des noyaux, une question pour inverser la matrice P. Quand vous serez en deuxième année, on vous donne le polynôme annulateur, trouvez-moi la matrice diagonale. Tout le chemin intermédiaire, il faudra savoir le faire. Donc on va décomposer, nous, en compétences de calcul technique chaque étape intermédiaire, pour que l'année prochaine, la seule chose que vous ayez à rajouter, c'est la compréhension du cours qu'il y a derrière. Je vais vous en faire comprendre l'idée globalement, à quoi ça sert. Mais le cours détaillé sur ce qu'on appelle les valeurs propres, les vecteurs propres et ce genre de choses, vous verrez le détail l'année prochaine. Donc il faut absolument savoir faire ça. Donc quelle que soit la matrice que je vous donne, si je vous demande de m'exprimer son noyau, vous devez savoir le faire sans faire d'erreur de calcul. Donc, en général, c'est pas trop dur. Faisons les autres. Ah, mais c'est pas possible ça. Allons-y. Donc je passe. Le premier qui vous a perturbé, c'est pour vous montrer ce genre de choses. On avait la matrice B qui était moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Donc je réécris à côté, quaire de B dans cette situation-ci, c'est l'ensemble des vecteurs, je vais peut-être les renoter en colonne, X appartenant à R combien? À R3, tel que A, B, c'est pas A, c'est B, B fois X est égal à 0, et là le 0 de l'autre côté, c'est le vecteur nul, encore une fois, vu que la matrice est 3, 3 de R3. Donc on va résoudre, je vais écrire comme ça, X appartient à quaire de B, toujours comme ça qu'il faut partir, essayer de travailler par équivalence. C'est équivalent à bx égale 0. C'est équivalent, si j'écris ça sous forme de système ou de matrice augmentée, hein, vous faites comme vous voulez. Bah tiens, celui-là, je vais le faire. Non, celui-là, je vais le faire sous forme de matrice augmentée. Et le suivant, je le fais sous forme de système. Donc ça, si je fais une matrice augmentée, c'est équivalent à faire ceci. Et bien sûr, ce que j'ai caché à l'intérieur de ma barre, c'est la multiplication par un vecteur colonne x, y, z égal. Ouh, ça a l'air dur. Sur quoi je vais faire un pivot? Je vous propose de faire un pivot là-dessus. Si je fais un pivot là-dessus, je vais me mettre ici en bout de ligne pour avoir un peu plus de place. Ben, je vais obtenir moins 1, 1, moins 1, 0. Alors, j'ai pas mis l'opération que je vais faire, mais je vais faire L2 reçoit L2 plus L1.
et L3 reçoit L3 moins L1. J'obtiens. Alors, il faut savoir maintenant, clairement, quand vous avez fini de faire vos pivots sur votre système, il faut savoir revenir au système quand on a une matrice augmentée. Je rappelle que ce qui est caché dans la barre, c'est la multiplication par un vecteur x, y, z. Donc ça, c'est la même chose qu'écrire moins x plus y moins z égale 0. Il n'y a rien d'autre dans ce système. On est bien d'accord ? Alors, c'est là où lundi, et je maintiens ça, même s'il y a une propriété de cours qui dit qu'on peut générer ça par p moins r vecteur, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. J'ai fait combien de pivots ? J'ai fait un seul pivot. J'avais une matrice donc dans mon noyau, j'ai trois coordonnées, j'ai trois paramètres x, y, z. J'ai fait un seul pivot. Donc parmi mes trois lettres x, y, z, avec un seul pivot, en gros avec une seule équation indépendante, combien de variables puis-je exprimer ? Une seule. Donc je vais choisir, vous faites celle que vous voulez, x, y ou z, mais imaginons que vous choisissez d'exprimer x, alors si vous pouvez exprimer cette variable x, vous pouvez l'exprimer par rapport aux deux autres variables. Dans ce cas-là, votre noyau doit être généré par les deux autres variables. C'est juste ça. Donc, on va écrire ça comme ça. Quelle variable voulez-vous isoler ? Y, ça paraît, j'avoue, plus simple ici parce qu'elle est déjà en positif. Je comprends votre intérêt avec Y. Donc, ceci pour moi est équivalent à écrire que Y est égal à X plus Z. Je vais écrire ici en commentaire que on a rang de B qui est égal à 1, un seul pivot. Donc, on exprime une variable en fonction des deux autres. Ah, ok. Donc maintenant que je sais que mon système est équivalent à dire que y est égal à x plus z, je repars du début. Donc le vecteur x, y, z appartient à quart de b si et seulement si x, y, z, ben ça vaut x. Je remplace mon y par x plus z et z. Et maintenant, c'est là que j'ai envie d'arrêter. Je vous ai forcé à faire une étape de plus lundi, mais maintenant, c'est là que j'ai envie d'arrêter. Est-ce que vous pouvez m'écrire ce vecteur colonne qui dépend de paramètres comme combinaison linéaire de vecteurs fixes ? Manon ? Oui. Parfait. Donc, un vecteur est dans le noyau si et seulement si il s'écrit x fois ça plus z fois ça avec, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais x et z. Oula, j'ai mis où mon curseur ? Là. X et z étant deux réels. Bah, ça, j'ai plus beaucoup de place en bas, mais j'aimerais bien le maintenir sur la même ligne. Je vais le mettre là dans le coin. J'ai donc que quart de b, c'est vect de la famille de deux vecteurs, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ceci est le noyau le plus standard qu'on peut vous demander. Pas de doute, pas de quoi que ce soit. Vous devez savoir faire ce genre de choses. Est-ce que ça vous va ? Continuons avant de faire... il y a un cas qui, en général, ne vous pose pas trop de problèmes. Enfin, je vais le faire tout de suite pour faire une méthode par système simple. Et après, on fera la méthode qui vous perturbe en général, mais que je veux que vous connaissiez. J'ai le droit de revenir en arrière. C'est pas grave, mais essayez de vous dépêcher de noter, s'il vous plaît. On va passer à la suite. J'ai pas compris. Oui ou non ? Oui. C'est l'avantage d'avoir un meilleur logiciel. C'est que je peux faire ce genre de choses. Alors, je vous donne... On va déborder un peu sur le côté. On va voir si ça marche. Mais c'est... Donc c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0.
Encore une fois, on a un noyau à trois vecteurs, ce sera beaucoup très 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 souvent le cas pour nous. Comme on a une matrice 3-3, ça doit donner un système qui va être égal à 0, 0, 0. Il faut réécrire ce système avec les variables, ça vous donne du x plus 2z égale 0. Le fait qu'il y ait une ligne de 0 dans la matrice, ça vous donne que la deuxième ligne va juste vous donner 0 égale 0, qui n'est pas très intéressant, et la troisième ligne va vous donner y égale 0. Donc je vais le réécrire, la ligne 0 égale 0, elle est toujours vraie, comme je l'ai dit, elle ne m'apporte rien, donc je vais réécrire mon système comme ceci. Question, vous faites quoi comme pivot? Alors la réponse, je suis d'accord, c'est toi Simon qui a dit aucun, c'est ça? Je suis d'accord sur le principe avec le aucun, mais j'ai essayé de vous expliquer que même s'il n'y a aucun calcul à faire, le fait d'avoir le droit de prendre des pivots permet de compter le rang du système. Ici, c'est pas parce qu'on a envie de faire aucun pivot que le rang c'est 0. Au contraire, j'ai le droit de faire un pivot en x. Est-ce que ça fait quoi que ce soit de faire un pivot en x? Rien, mais j'ai le droit de le prendre. Donc, une fois que j'ai fait mon pivot en x, mon système n'a pas changé. Donc maintenant, je prends l'autre ligne, j'ai le droit de faire un pivot en y. Donc en fait, ici, j'ai clairement deux pivots. Le rang de la matrice C, c'est 2. Ce que vous devez comprendre en comprenant ceci, c'est qu'on peut donc exprimer deux variables en fonction de la troisième. Donc allons-y, je vais le faire. Quelle variable je vais choisir d'exprimer? Ici, ça me paraît à peu près évident d'écrire x égale moins 2z en dessous y égale 0. Alors 0, c'est du 0z aussi, si vous voulez, mais j'ai bien exprimé tout à partir de z. Donc x, y, z est dans le noyau de C. C'est équivalent à ce que x, y, z, alors, que quelqu'un qui ne m'a pas fait, qui a eu du mal sur ce noyau en TD lundi, essaye de me le faire. Comment vous remplacez x, y et z? Emma? Oui. Pourquoi? T'as rien appris sur Y dans ton système? Bah donc s'il vaut 0, pourquoi tu le laisserais Y? Voilà, c'est vraiment important. Y, on a appris qu'il est nul, ou qu'il vaut 0z, donc c'est comme si tu mettais... Enfin, à la limite, je peux même me permettre d'écrire ça si on veut. 0, je vais le mettre comme ça entre guillemets, 0z. Il y aurait aussi un z ici en facteur, mais enfin, c'est la même chose. Et en dessous, bien sûr, z, on met z. Et donc ça devient clairement, maintenant qu'on voit les 3z en facteur, on peut dire que c'est z fois le vecteur. Parfait. Attention, ceci est un moins 2. J'ai écrit des 2 qui ressemblent trop à des z. Donc, bon, on avait une nulle, on a aussi une variable nulle, ça ne doit pas vous choquer d'avoir des variables nulles dans votre système avec un noyau, c'est tout à fait possible. Et ensuite, on va arriver sur le noyau. En général, quand j'ai moins de 50% de la classe qui arrive à le faire en me disant « Mais monsieur, votre noyau, il était bizarre. » C'est un noyau comme les autres, c'est juste que, bah oui, la matrice est un petit peu tordue, mais il ne faut pas avoir peur de le faire, il faut savoir le faire. Donc, je vais passer à la matrice D. Je peux me permettre de changer de page? Donc, je vous donne une quatrième matrice D. On
va directement écrire qu'un vecteur x, y, z appartient à un quart de D, si et seulement si. Bah, je vais directement me permettre d'écrire le système pour gagner un tout petit peu de temps. J'ai encore du x plus 2z qui vaut 0. J'ai du moins 2x plus 3z qui vaut 0. Et j'ai du 2x plus z qui vaut 0. Bon, il y a clairement pour moi deux pivots équivalents ici. Je suis d'accord, Arthur, soit x en première ligne, soit z en dernière. Parce que ça m'évite d'avoir à inverser mes lignes, je vais plutôt choisir le x en première ligne. Si je fais des pivots là-dessus, je vais bien sûr faire que L2 reçoit L2 plus 2L1. Et je vais remplacer L3 par L3 moins 2L1. Si je fais ceci, ça va je vais garder mon x plus 2z est égal à 0. Je vais faire plus deux fois, donc je vais me retrouver avec du 7z est égal à 0. Et en bas, je vais me retrouver en moins deux fois, moins 3z est égal à 0. Alors, je ne vais pas le faire d'un point de vue calculatoire, mais encore une fois, dans mon sous-système qui est ici, il est bien évident que j'ai le droit de prendre un pivot en z. Si j'ai le droit de prendre un pivot en z, même si je ne fais aucun calcul derrière, le rang de mon système, c'est 2. Je vais pouvoir exprimer tout en fonction d'une seule variable. Alors, j'ai dit que je n'allais pas faire de pivot, mais c'est normal. 7z égale 0 et moins 3z égale 0, ça donne quoi? Z égale 0. Si z vaut 0, si je remonte mon pivot à la ligne du dessus, j'avais x plus 2z égale 0. X égale 0. Alors, c'est là où il faut que vous soyez concentrés et c'est là où mon petit texte en rouge doit vous alerter sur ce que vous allez me raconter si vous me racontez n'importe quoi derrière. Je viens de dire, on va exprimer deux variables en fonction d'une troisième. Donc, concluons, maintenant on a fini nos calculs. Donc, x, y, z appartient à quart de D, si et seulement si x, y, z est égal à quoi? X vaut 0, z vaut 0. Ouais. Alors, que pouvez-vous dire sur y? Ouais. Très bien, Manon, tu as dit Y et L, Y, hein, c'est bien ce que j'ai entendu. Donc oui, Y vaut Y. On n'a rien appris de tout le système sur la variable Y. Et c'est normal. Dans la matrice D, la deuxième colonne, en gros la colonne qui est liée à Y, est nulle. Donc peut-on apprendre la moindre information sur la variable Y? Absolument pas. Dans ce cas-là, la variable Y est forcément dans le noyau, c'est-à-dire que ça, je peux le réécrire comme y fois 0, 1, 0 et quart de D est égal à vect de 0, 1, 0. Et c'est logique. Alors, dernière chose, comment vous pouvez vérifier que vous avez trouvé les bons noyaux? Très, très facilement, vous vérifiez votre vecteur par rapport à la matrice. C'est-à-dire que là, vous refaites le produit. Si vous faites 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 2 fois 0, ça fait 0. Moins 2 fois 1, moins 2 fois 0 plus 0 fois 1 plus ça, c'est 0. Ça fait 0. Si ça ne fait pas 0, vous vous êtes trompé dans votre noyau. Si ça fait 0, vous êtes sûr d'avoir au moins trouvé une partie de votre noyau. Si vous êtes trompé sur le nombre de pivots, il manque peut-être des choses. Mais au moins, tout ce que vous avez mis dedans est bon. Ah, bon, voilà là-dessus. On va en faire juste un dernier. Après, j'abandonne mes noyaux. Vous avez la compétence acquise, il y aura une question de cours là-dessus la semaine prochaine et c'est tout. Mais c'est pour insister sur ma notion de combien de variables on peut expliquer à partir de combien. Et sur cette notion de colonne nulle, on va faire une matrice complètement tordue. Alors elle doit être dans le poly celle-là. Hop. Il a enlevé cette andouille.
Je reviens sur le poly, excusez-moi 10 secondes. Mais elle est où ma matrice 5-2? Bon, c'est pas très très grave, je la retrouve plus, mais on va en prendre une autre, c'est pas grave, je l'aurai en vidéo, au moins je pourrais savoir ce que je vous ai donné. Je vais vous donner la matrice E qui est la suivante. 1, 2, 3, 0, moins 1. Moins 1, 2... Alors, je voulais faire quelque chose de... On s'en fiche. Je vous donne E, cette matrice-là. Vous ennuyez, Camélia et Gaspard? Alors, première chose, quand je vous donne un noyau, très souvent vous aurez des matrices 3-3 et c'est le défaut, c'est que ça va vous donner des mauvais réflexes. Vous n'allez plus réfléchir à la taille des vecteurs. R de E, c'est l'ensemble des vecteurs de quelle taille ici? Manon, R5, exactement. Tel que donc E fois X est égal à 0. Le 0 qu'on va obtenir de l'autre côté, il va être de taille. R3, exactement, Hugo. On va poser le système. Donc, bien sûr, E fois le vecteur. Alors, il faut se donner des lettres. Hein, R5, ça ne va pas vous arriver souvent, mais X, Y, Z, T, W. Donc, ça, ça va me donner du X plus 2Y plus 3Z. Moins W égale 0, moins X plus 2Y moins 2Z plus 2W est égal à 0, 2X plus Y plus Z moins W, plus W, je ne sais pas ce que j'ai fait, est égal à 0. Alors, il faut faire des pivots là-dessus. Je sais lequel me paraît être le plus simple. J'en ai un peu que je préfère ici. Gaspard. Y de la troisième ligne. Ah, j'en ai un strictement mieux pour moi, mais il est quasiment identique ici. Ah, il est où? J'ai perdu mon curseur. Pour moi, celui-là me paraît vraiment pas mal parce que j'ai qu'un coefficient 1 et un coefficient 2 sur les lignes au-dessus. Et que dans cette ligne-là, il y a plein de coefficients 1, ce qui fait que les calculs vont être assez simples. Donc, même ligne que toi, Gaspard, j'ai juste changé de lettre parce que ça me paraissait un petit peu plus simple. Mais c'est pratiquement la même chose. Bien sûr, donc je vais inverser mes lignes, mais L2, sinon, va recevoir L2 moins 2L3 et L1... va recevoir L1 plus L3, et bien sûr, je vais faire l'échange de L1 et de L3. Alors, donc je dois faire moins 2 fois. Si je fais moins 2 fois, je vais me retrouver avec du moins 5x. Moins 2 fois. Je vais me retrouver sans Y. Moins 2 fois. Je vais me retrouver avec du moins 6Z. Égale 0. Oui, Simon. Moins 2 fois.
Ah, moins deux fois, oui, oui, avec un coefficient, parce que j'avais un coefficient 2 de l'autre côté. Merci Simon, c'est un moins 4 fois z. Moins 4z, pardon. Et donc l'autre, je dois faire la somme, donc ça va me faire du 3x plus 3y plus 4z. Ah, voilà ce que j'obtiens après mon premier pivot. Donc clairement, il faut que je refasse un pivot là-dessus. Il y en a un qui a l'air quand même beaucoup mieux que les autres. Le 4z, je préfère même prendre celui-là parce qu'il y a moins de variables dans cette ligne-là. Je vais faire un pivot là-dessus. Et si je fais la somme des deux, je vais me retrouver avec du moins 2x plus 3y est égal à 0. Ouais. Alors, c'est là où quelque chose est important. Je peux reprendre un dernier pivot. Si j'avais le choix de reprendre mes pivots, personnellement, je préférerais prendre celui-là. Je vous explique pourquoi, parce qu'il n'y a pas de y dans la deuxième ligne. Je voulais remonter mes pivots. À quoi ça me sert de dire ça? On a trois pivots. Donc le rang de E, c'est 3. On peut exprimer, je répète depuis tout à l'heure, trois variables en fonction de combien d'autres ici? C'est ça que je voulais que vous compreniez depuis tout à l'heure. Mais comme j'ai mis toujours du 2 et du 1 et du 1 et du 2, est-ce que vous avez bien compris le fait que j'ai trois rangs, j'ai trois équations indépendantes. Je peux exprimer d'un côté, si j'isole x, y, z, je vais bien pouvoir exprimer trois variables. Et en fonction de combien? Les deux autres, il y avait cinq variables au total. En fonction donc de 5 moins 3 égale deux autres. C'est le principe de notre propriété. Alors là, maintenant, c'est la dernière chose, et c'est pour ça que je vous ai fait un système compliqué, c'est pour que vous ayez un a priori, en général, plutôt correct et intéressant là-dessus. Quelle variable je vais exprimer en fonction de quelle autre? En général, ce qui est le plus efficace et le plus rentable, c'est d'exprimer vos trois variables pivots en fonction des deux que vous n'avez pas pris comme pivots. Donc, en général, on exprime les trois variables pivot en fonction alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu mes choix de variables, je vais essayer d'exprimer W, Y et Z en fonction des deux autres qui sont T et X. Alors, je peux peut-être sauvegarder un bout, c'est ça que ça fait tout à l'heure ce truc là. J'ai pas envie de tout recopier, mais je vais devoir changer de page. Je peux bouger? Alléluia! Je reviens en arrière si vous n'avez pas fini de noter. Je vais pas assez vite, je peux accélérer, il n'y a aucun souci, hein, vous en faites pas. On accélère. Alors, donc je vais avoir 3y qui vaut 2x ici, je vais avoir du 4z qui va valoir moins 5x. En haut, je vais pouvoir écrire que w, ça vaut tout simplement du moins 2x. Et attention, du moins y moins z, donc il faut que j'isole mes variables pour pouvoir finir. Ça va me donner du y qui vaut du 2 tiers de x. Ça va me donner du z qui vaut du moins 5 quarts de x. Et donc ça va me donner du w qui vaut du moins 2x moins 2 tiers de x plus 5 quarts de x. Donc, au final, j'obtiens que w. Alors, je mets tout le dénominateur commun, ça va me donner pour le moment du 12. Sur du 12, je vais avoir, pour mettre ça sur 12, je vais avoir du moins 24, moins 8,
et plus 15x. Ici, j'ai fini, j'ai du moins 5 quarts de x, et ici, j'ai du y qui vaut 2 tiers de x. Donc, il ne me reste plus qu'à simplifier et j'ai terminé. Ça va me donner w qui vaut... Alors, j'ai du moins 32 plus 15, c'est vraiment moche, ça me fait du moins 17 douzièmes, ça. Ça me fait du moins 17 douzièmes de x. Z qui vaut moins 5 quarts de x. Et y qui vaut 2 tiers de x. Alors, donc j'ai obtenu que x, bah c'est mon paramètre que j'exprime, donc il reste x. Y, j'ai obtenu que c'était du 2 tiers de x. Z, j'ai obtenu que c'était du moins 5 quarts de x. T, on n'a rien obtenu dessus, très bien François, ça fait T donc. Et par contre, tout en bas, W, c'est horrible, mais c'est du moins 17 douzièmes de x. Je vais reprendre ça sur une nouvelle page. Non, ça va pas. Ici, hop. Ajouter sur une nouvelle page. Hop. Je suis désolé pour ce truc-là en plus, mais voilà ce que j'ai obtenu. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire 1, 2 tiers, moins 5 quarts, 0, moins 17 douzièmes, plus t fois 0, 0, 0, 1, 0. Donc r de e. C'est tout simplement vec de deux vecteurs. 1, 2 tiers, moins 5 quarts, 0, moins 17 douzièmes. Alors, j'en arrive à une dernière étape qui n'est pas capitale. Vous pouvez vous arrêter là, ça me va très bien. Mais en général, imaginez que je vous ai dit... ces vecteurs-là qu'on va trouver dans des noyaux, on va vouloir les mettre dans des matrices colonnes et essayer de les inverser. Vous vous sentez bien inverser des matrices avec des moins 17 douzièmes et des 5 quarts et des 2 tiers? Moi non plus. Par contre, il y a une propriété fondamentale de système qu'il faut comprendre. Puisque je contiens toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là, je contiens, et entre guillemets, j'ai mis un réel x quelconque en facteur de ce vecteur-là. Donc si j'ai mis le réel x quelconque devant, je peux aussi me permettre de mettre le réel x sur 12. Ou alors, autre chose, d'autre façon de le dire, si ça contient ces deux vecteurs-là, ça contient aussi 12 fois ce vecteur-là. Forcément, vu que ça contient toutes les combinaisons linéaires. Donc je peux me permettre d'enlever mes fractions en multipliant chacun des vecteurs par un. Attention, par un nombre réel non nul. Pas le transformer en 0 alors qu'il était là, mais si vous le multipliez par un réel non nul, vous ne modifiez rien à votre vecteur. C'est-à-dire que ceci est exactement la même chose que ceci. Donc en fait, je multiplie juste par 12 mon vecteur. Ça va me donner du 12 en haut. Il faut que je multiplie par 4 en bas, ça va me donner du 8. Si je multiplie, ça va me donner du moins 15 et du 17. Et j'ai oublié le 0 au milieu, excusez-moi, il y a un 0 ici. C'est un moins 17, pardon. Ouais, il y a un moins derrière, devant le 17 que j'ai oublié de recopier. Et voilà. Est-ce que ça va sur cette notion de noyau et cette notion de d'espace engendré? Gaspard. Là, c'est un choix. Tu dois m'exprimer trois variables en fonction des deux autres. Si tu as pu aisément choisir un pivot en W
en Y et en Z, il est logique d'essayer d'isoler celle-là. Là, ce n'est pas une obligation du tout. C'est juste de la logique. Si tu les as trouvés simples à faire des pivots dessus, c'est qu'en général, dans leur propre équation, ils sont simples à isoler. Donc, c'est pour ça que c'est logique. Mais à part ça, tu exprimes en fonction de ce que tu veux. Alors, justement, et ça me permet de rebondir sur quelque chose de super intéressant. Que se serait-il passé si on n'avait pas choisi X, mais Y ou Z ? On n'aurait pas obtenu le même vecteur. On aurait encore obtenu un vecteur de deux vecteurs, et on aurait toujours obtenu pour le deuxième vecteur celui-là, mais on n'aurait pas obtenu le même premier vecteur. Il aurait été proportionnel à celui-là, mais c'est pas forcément le même. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas eu des coefficients 12 en bas, mais peut-être pas des coefficients 15, et ça aurait juste été proportionnel. Ah, donc ça permet de voir quelque chose. Ce n'est pas parce que vous faites deux noyaux, si vous ne prenez pas les mêmes pivots, si vous ne résolvez pas les choses de la même façon, vous pouvez ne pas obtenir les mêmes vecteurs dans le vecteur. Si vous faites un exo ensemble et que vous n'avez pas les mêmes vecteurs dans votre vecteur, ne soyez pas choqués, ça peut être tout à fait normal. Par contre, il n'est pas normal que si quelqu'un obtienne deux vecteurs dans son vecteur, quelqu'un d'autre sur le même noyau n'en obtienne que un ou trois. Ça n'a pas de sens. Par contre, vous pouvez avoir des vecteurs différents et vraiment, c'est le cas, très souvent, très rapidement, vous pouvez vérifier que c'est bon en vérifiant qu'en fait, un vecteur s'exprime comme fonction de celui de l'autre étudiant. Bon, on va faire un exo quand on aura la théorie de la dimension, mais je peux vous en parler tout de suite pour voir si certains le voient. Mais ça, faut pas que vous ayez peur. On peut avoir des vecteurs qui s'écrivent différemment, mais qui génèrent le même ensemble. Ah, Maxence. Moi, je dis, à quel moment, on va avoir besoin de calculer un noyau? Je vais faire ça très très vite, mais enfin, je vais montrer ça sur un exemple, enfin sur un exo, l'exo de TD qui est corrigé en ligne, mais que on n'a pas eu le temps de faire en classe. Enfin, le dernier exo du TD. Arthur. Oui. Si c'est deux vecteurs, non, ils peuvent pas forcément être proportionnels. Ils doivent être parce que ça peut être des combinaisons linéaires des uns et des autres. Si c'est s'il y a un seul vecteur dans chaque noyau, ils sont forcément proportionnels. Par contre, s'il y en a deux, ça peut être autre chose. Je montre un exemple pour expliquer ça juste après. Zacharia. Ouais. Oui, c'est que tu auras forcément... En fait, une colonne de zéro, tu as forcément une variable qui part naturellement dans le noyau. Donc, ton noyau est non vide. Et ce vecteur... En fait, la coordonnée de zéro, t'as forcément un vecteur avec que des zéros et un 1 au niveau de la coordonnée de la colonne de zéro qui est dans ton noyau. Ce vecteur-là est forcément dans le noyau. Si tu ne le retrouves pas, c'est qu'il y a un problème. Bon, donc c'était pas le but. Mais là, je vais avoir besoin de vous parce que je sais que c'est là où il y avait un bug à l'impression et où j'ai dû retaper à la main parce que l'exo n'était pas passé. C'était l'exo 26, page 9. Juste pour l'énoncer. Alors, on va pas le faire, on le fera proprement une fois qu'on aura la théorie de dimension, mais c'est juste pour vous montrer ça. Je sais que l'exo 26, page 9, je vous ai mis un vecteur de deux vecteurs, et je vous demande de montrer qu'il est égal à un vecteur de deux autres vecteurs. Et je sais plus les coordonnées, en fait. Manon ? Ok. Donc voici par exemple l'exercice, un exercice classique. Clairement, il n'y a aucun des deux vecteurs ici qui est égal à un des deux vecteurs ici. Pourtant, on vous demande de montrer que les deux ensembles sont les mêmes. Avec ce que je vous ai expliqué, c'est puisque c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, ce qu'il faudrait prouver ces deux choses, c'est qu'à partir de ces vecteurs-là, à partir d'une combinaison linéaire de ces vecteurs-là, vous puissiez retrouver ces vecteurs-ci. Et qu'à partir d'une combinaison linéaire de ces vecteurs-ci, vous puissiez retrouver ces vecteurs-là. Si vous êtes capable de le faire, instantanément, les espaces engendrés sont forcément les mêmes. Il n'y a aucun doute. Alors, c'est plus facile à faire dans un sens que dans l'autre. J'y arrive de tête en général dans un sens, mais pas dans l'autre. Si vous avez une meilleure vision que moi, vous pouvez arriver à le voir. Pour faire du 3-7, il faut que je fasse deux fois le premier moins le deuxième. Si je fais deux fois celui-là, moins celui-là. Ah, il y a un problème.
Il manque un mois, j'ai oublié de mettre un mois. Ça, c'est là, il y a un moins 2, c'est ça, j'ai oublié de recopier un mois. Donc, si je fais deux fois celui-là, moins une fois celui-là, j'obtiens le vecteur qui est ici. Et de même façon, alors, je ne vois pas, le 5, 0, moins 7, c'est le moins 7 en bas. Bah, il suffit que je fasse deux fois là plus chose. Non, ça ne marche pas. Pour faire un moins 7. En haut, là j'ai plus de mal à le voir. Bah si, c'est juste ça, c'est 1 plus 3. Excusez-moi. Si je fais une fois celui-là, plus 3 fois celui-là, j'obtiens ce vecteur-là. Donc ça vous permet de voir que clairement, ces vecteurs sont des combinaisons linéaires de ceux-ci. Donc clairement, l'espace engendré par ces deux vecteurs est inclus dans celui-là, c'est sûr et certain. Bon, quand on aura la théorie de la dimension, on verra qu'ils sont de même dimension, donc ils sont égaux. Donc on fera cet exo proprement quand on aura la théorie de la dimension, mais l'idée est quand même là. Vous ne devez pas avoir peur de ne pas avoir les mêmes vecteurs dans le vec, parce que ça exprime la même chose. D'un élève par rapport au corrigé de base, oui. Il vérifie à la main, enfin, sauf s'il lui a fait des trucs en moins 12, 17e et des choses horribles, mais sinon c'est ça. Ensuite, c'est juste que quand vous avez à faire les trois noyaux pour reconstruire la matrice qui permet d'inverser et de trouver la matrice diagonale dans les exos classiques, souvent le calcul d'un inverse l'année prochaine, vous n'aurez plus à le faire. Parce que vous aurez une théorie, une formule de changement de base qui vous permet d'assurer que la matrice résultat sera diagonale. Donc il n'y a pas besoin, c'est-à-dire que quand on ne veut pas vous faire faire le calcul de l'inverse, on ne vous impose pas quelle est la matrice P. On veut juste que vous la remplissiez, c'est-à-dire que vous trouviez les vecteurs du noyau. Mais on n'a pas à vous imposer pour les calculs d'inverse. Par contre, je n'ai jamais vu un sujet de concours lorsqu'on vous demande d'inverser une matrice P, et c'est ce que je vais vous faire faire à chaque fois, moi, qui ne va pas vous imposer les vecteurs du noyau pour forcer la matrice P à ressembler à quelque chose. Alors, je ne sais plus, j'ai modifié le sujet hier, vu que cet exo-là, il est fixé pour moi. L'exo où vous avez ça, je sais que je vous redonne la matrice P. Je ne sais plus comment je vous oblige à trouver les noyaux. Non, en fait, je pense que je ne vous oblige absolument rien sur les noyaux. Vous trouvez ce que vous voulez. Mais après, je dis, en s'arrangeant correctement, on peut prendre la matrice P qui est celle-ci. Et comme ça, je n'ai pas à m'embêter avec le fait que vous trouviez des noyaux bizarres. Mais sinon, il y a d'autres sujets. C'est un peu dur. Mais il y a des sujets, notamment beaucoup de sujets de CE, mais pour le moment, on n'en est pas à ce niveau-là. Ou par exemple, je vous donnerais, je sais pas, la matrice de tout à l'heure qui avait comme noyau 1, 1, 1. Vous êtes d'accord, il y avait une matrice qui avait pour noyau 1, 1. La question pour obtenir ça, ça pourrait être montrer que Ker de A est égal à vecte de U. Donc ça vous assure qu'il n'y a qu'un seul vecteur dans le noyau, avec U de la forme. Non. Et vous devez du coup déterminer A et B. Et pourquoi ça permet d'avoir aucun problème? Parce que si je fixe la coordonnée du haut à 1 dans ce vecteur-là, alors tous les multiples seraient solutions. Si 1 est solution, 2, 2, 2 est solution, moins 1, moins 1, moins 1 est solution. Mais vous êtes bien d'accord que si je fixe la coordonnée du haut, instantanément les deux autres deviennent égales à 1 et il n'y a plus le choix. Donc ça permet d'assurer pour un calcul d'inverse derrière comment faire. Donc pour le moment, dans ce DSA, je ne vous l'ai pas fait. À mon avis, je vous le ferai faire une fois en DM pour que vous voyez à quoi ça ressemble et que ça ne vous perturbe pas trop. Mais il est sûr qu'un un sujet dans un moment où, tant qu'on doit faire des inverses encore, je vais vous forcer à trouver le noyau comme je veux pour ne pas vous donner la matrice P, pour que vous compreniez cette compétence essentielle. Si vous ne savez pas trouver votre noyau, vous ne saurez pas avancer dans tout le reste du sujet d'exo de matrice. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la compétence importante. C'est juste que c'est la question 1B. Et si vous savez pas faire la question 1B et qu'on vous a pas donné les réponses, bah 2A, 2B, 2C, bah vous pouvez encore essayer d'avancer, vous n'y arriverez pas. C'est souvent. Voilà pour ça. On a parlé de ça, j'avais dit autre chose, je sais plus ce que j'avais dit. On a fait les noyaux.
Bon, faut que j'avance sur le cours maintenant. Alors, ok. On vient de voir qu'un espace vectoriel, pour reprendre le cours, qu'un espace vectoriel F. Qu'un espace vectoriel F, ça pouvait s'écrire sous la forme vec de U1, UN. C'est-à-dire qu'un espace vectoriel F, ça peut s'écrire comme l'espace engendré par une combinaison linéaire. Donc, un espace vectoriel, et notamment quand il s'écrit comme ça, est caractérisé, vous êtes d'accord, par les propriétés de la famille que je mets dedans. Si je vous mets une certaine famille de vecteurs, ça ne va pas générer le même ensemble que si vous en mettez une autre. Donc, les propriétés de l'espace vectoriel sont fortement liées aux propriétés de la famille de vecteurs que je veux considérer dans mon espace. Donc, pour voir les différentes propriétés qui m'intéressent de famille de vecteurs, on a défini deux types de propriétés sur une famille de vecteurs. Alors, changeons de page et voyons ça. Les deux types de propriétés. Donc, on va considérer dans tout ce truc-là U1, UN, une famille de vecteurs. Et on va définir deux notions. La première notion, c'est que la famille U1, UN, est dite génératrice de E. Bah, si et seulement si, en fait, tout simplement, E peut s'écrire vec de U1, UN. Alors, c'est du vocabulaire, mais qui se mord un peu la queue, mais qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que on dit que vec de U1, UN, c'est l'espace engendré par U1, UN. Maintenant, si on le construit par l'extérieur, si un espace vectoriel E est engendré par U1, UN, on dit que la famille U1, UN est génératrice de E. C'est tout complètement logique. Si on traduit ça en termes de vecteur, ça veut dire quoi? Et c'est ça la définition qui doit être mise dans votre poli, c'est que je prends n'importe quel vecteur X de E, je veux trouver qu'il existe un alpha 1, un alpha 2 jusqu'à un alpha N appartenant à Rn, tel que X, je puisse l'écrire comme alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha N UN. Et donc, c'est la somme pour K égale 1 à N des alpha K UK. Donc, c'est ça la définition d'une famille génératrice. Assez logique. Si l'espace peut s'écrire vec de la famille est génératrice. OK. Deuxième définition, parce que ça ne suffit pas à avoir des bonnes propriétés. Pourquoi? Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui peut poser problème vis-à-vis de la deuxième définition que je vais vous donner. Je vais vous donner E égale vec de 1, 1, 1, 1, 2, 3. Je vais me permettre de mettre 2, 3, 4. Je vais me permettre de mettre 2, 2, 2. Je vais me permettre de mettre 0, 1, 2. J'ai mis 5 vecteurs, je les renomme pas, mais on est bien d'accord. Ça veut dire que je vais même pas écrire E ici, je vais me permettre d'écrire ça R3. C'est l'espace R3 des vecteurs et génératrice. En plus, je raconte n'importe quoi, elle est même pas génératrice de R3, excusez-moi. On va mettre E. Ça va m'éviter de dire des grosses bêtises, ça va vouloir aller trop vite. Oui, Simon. Alors justement, c'est exactement ça que je veux vous dire. La notion de famille génératrice prend en compte que je veux que ma famille puisse générer tout l'espace.
qu'est-ce qui m'empêche? Donc, imaginons, vous voulez générer la classe. On est dans R3. Vous savez que pour générer un espace, trois dimensions, il vous faut trois directions. On vous a appris trois directions orthogonales. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, pour générer cet espace à trois dimensions, d'en rajouter quatre autres de directions au milieu? Est-ce que ça me gêne pour générer tout mon espace d'avoir plus de directions? Non. C'est le principe que j'essaie de vous expliquer là. La notion de famille génératrice permet juste de dire j'ai assez de directions pour engendrer tout mon espace. Typiquement, si je voudrais engendrer la classe, si je prends que deux vecteurs, je peux encore me attendre un moment avant d'arriver à générer toute la classe. Il va m'en falloir un troisième, entre guillemets, orthogonal aux deux autres. Sinon, je ne pourrais pas. Donc, cette notion de famille génératrice permet de dire ça. Mais elle n'est pas bien posée, cette notion de famille génératrice, parce que dans une famille génératrice, ceci est une famille génératrice, vu que j'ai écrit mon ensemble vec, c'est clairement générateur. Ben, j'ai un problème, parce que clairement, j'ai choisi que le vecteur 4, c'est deux fois le vecteur 1. Le vecteur 3, c'est le vecteur 1 plus le vecteur 2. Et le vecteur 5, c'est le vecteur 3 moins le vecteur 4. Donc en fait, si je réexplique, si je réécris ça d'une certaine façon pour vous faire comprendre le problème de cette notion de famille génératrice, c'est une bonne définition, mais il lui manque quelque chose pour que ce soit une notion intéressante. C'est que si j'appelle ça U1 et si j'appelle ça U2, maintenant le vecteur qui est là, j'ai dit que c'était U1 plus U2, le vecteur qui est là, c'est 2U1, et le vecteur qui est là, alors c'est aussi U2 moins U1, aussi. Exactement, Hugo a vu le principe. En gros, de combien de vecteurs on avait besoin? Deux seulement. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'une famille génératrice, ça permet d'engendrer l'espace, mais ça ne m'empêche pas de générer trop de choses. Par contre, j'ai besoin d'une deuxième notion pour pouvoir dire que cette famille-là pose problème. Et c'est la deuxième notion qu'on va définir, c'est la notion de famille libre. Une famille est libre si dedans, il n'y a pas de redondance de direction, si vous voulez. Ah, donc allons-y. On reprend U1, UN, une famille de vecteurs de E. Hop. On dit que U1, UN est libre. Alors, le mot libre, il y a plein de variantes. Le vrai mot au programme, c'est libre, mais il y a aussi indépendante, linéairement indépendante. Si et seulement si. Alors, je vais faire une phrase pour exprimer ça. La seule combinaison, linéaire menant au vecteur nul est la combinaison triviale. Alors, ça veut dire quoi? C'est une phrase bien compliquée pour dire un truc assez simple qu'il faudra qu'on sache faire à chaque fois, mais qu'il faut savoir mener. C'est la même chose, c'est la même chose, j'ai mis un signe, mais c'est la même chose que ça. C'est que si je vous prends alpha, alpha n, n réel, alors je veux que la somme des alpha i, ui, pour i égale 1 à n, est égal au vecteur nul, je veux que ça implique nécessairement que alpha 1 égale alpha n égale à 0. Alors, autre façon de le dire, autre façon de l'expliquer, à quelles conditions une famille est libre? Je veux obtenir, en fait, c'est très facile, il faut que j'essaye d'obtenir le vecteur nul à partir de ma famille. Il y a une façon très simple d'obtenir le vecteur nul à partir de n'importe quelle famille. C'est que je prenne les coefficients devant qui sont tous égaux à 0. C'est ce qu'on appelle la combinaison triviale. Pour obtenir le vecteur nul, je prends des combinaisons linéaires qui sont toutes nulles. Donc ce que je dis ici, c'est que je veux que la seule combinaison qui mène au vecteur nul soit la combinaison triviale. Donc ce qu'on va faire pour prouver qu'une famille est libre, on va prendre une combinaison de nos vecteurs.
et on va montrer que toutes les combinaisons linéaires sont nulles. Dans ce cas-là, c'est le problème que j'ai montré dans l'autre exemple. Ma famille U1, U5, elle n'était pas libre parce qu'il y avait plein de relations de liaison. Je pouvais obtenir U3. Reprenons, donc je vais reprendre ma famille de la page d'avant. Reprenons la famille U1, U5 précédente. On a, alors je retourne dans la page d'avant pour voir, j'avais U3, vous êtes d'accord qu'il valait U1 plus U2. On a U3 qui est égal à U1 plus U2. Donc, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai U1 plus U2 moins U3 qui est égal au vecteur nul. On a une combinaison non triviale qui mène au vecteur nul, cette famille n'est pas libre. Et c'est bien le principe qu'on a dit, il y avait un problème dans la génération de cette famille, le vecteur U3 c'est U1 plus U2, je n'ai pas besoin de U3. Donc c'est exactement ça qu'on va voir, qu'on va vouloir qu'une famille, pour que le vect soit bien écrit, on va vouloir qu'on obtienne une famille génératrice, si elle peut s'écrire vect de quelque chose, c'est forcément générateur, mais on va vouloir une deuxième propriété sur cette famille, c'est on va vouloir qu'elle soit libre, pour qu'entre guillemets, elle soit ce qu'on va appeler génératrice et minimale. Dans notre espace à 5 vecteurs tout à l'heure, la famille génératrice minimale, c'était la famille U1, U2. Donc c'est ça la notion de famille génératrice, et bien sûr cette notion elle a à voir dans tous les espaces qu'on a travaillé. Donc faisons des exercices, travaillons des exemples pour essayer de voir que c'est cette notion de famille libre. Alors, par exemple, j'ai mis quoi comme exemple? Pas mis d'autres exemples avant ça. Alors, oui, je n'ai pas donné cette définition-là, c'est du vocabulaire de cours, ça je ne vais pas le réécrire au tableau. D'après vous, qu'est-ce qu'on appelle une famille liée? François? C'est une famille qui n'est pas libre. Une famille liée est une famille tout simplement qui est non libre. Donc c'est une définition du poly. J'ai un exo à vous faire là-dessus. Alors, pour vous montrer que ça peut atteindre n'importe quel type de vecteur, je vous donne, donc c'est l'exercice 18. Je vous donne A, c'est la matrice 0, moins 1, moins 1, 0. Et je vous demande de me montrer que la famille I2 A A carré est lié. Allons-y. Donc il faut peut-être calculer déjà carré. Alors si je fais mon produit, je vais me retrouver avec un 1 ici, je vais me retrouver avec un 0 ici, je vais me retrouver avec elle est très très nulle, très très bête mon exo. Ça fait vraiment. Bon, soit on en refait un deuxième derrière. Ça fait vraiment l'identité. Ouh là là, il va être dur mon exo, je le sens là. Ouf, j'étais en forme quand je l'ai fait. Donc A carré, ça fait l'identité. Donc je me demande si vous pouvez me faire une relation de liaison non triviale entre l'identité A carré et l'identité. Donc écrivons ce que ça veut dire. Mais puisque ça c'est l'identité ou votre façon de le prouver. On va faire ça tout de suite. Est-ce que vous voyez une relation linéaire, une relation non triviale qui mène au vecteur nul à partir de la famille A carré et l'identité? Je viens de montrer ceci. François.
Oula, et oh, tu me fais pas des racines de matrice quand même. Et en plus, ça ferait i. Ah non, c'est du a carré, c'est... Attention, non. Ce qu'on peut écrire de ça, c'est que a carré moins i2 égale la matrice nulle. Il est là. Ah, il existe. Alors, je vais l'écrire autrement. Moins 1 fois i2 plus 0 fois a plus 1 fois a carré est égal à la matrice nulle. On vient bien d'écrire qu'on peut atteindre le vecteur nul par une combinaison linéaire non triviale. Donc la famille est libre. Alors, prouvons plutôt qu'une famille est libre, ça nous fera faire autre chose et ça fera faire un vrai calcul utile. Et vous allez voir le lien avec le chapitre précédent sur les systèmes. Allons-y. Faisons un autre exercice, je n'ai pas de numéro, on va le faire comme ça. Soit, alors P0 égale 2, P1 égale 2 plus X, oula, ça bug. On va montrer que la famille P0, P1, P2 est libre. Comment on fait pour montrer qu'elle est libre? Bah, on va prendre une combinaison linéaire quelconque de cette famille et on va montrer que les trois coefficients font 0. Alors, dans ma formule théorique, c'est du alpha 1, alpha 2, alpha 3. Je vais pas forcément prendre des paramètres alpha 1, alpha 2, alpha 3 quand j'en ai un nombre fini. Je peux changer de lettre à chaque fois. Je peux prendre ABC ou alpha, bêta, gamma. Alors, ici, je vais faire ça. Soit alpha P0 plus bêta P1, plus gamma P2 égale à 0. Alors, égale à 0, le polynôme nul, vu qu'on est bien dans une famille de polynômes. Qu'est-ce que je peux réécrire? Mince, bien sûr, j'ai changé de page et j'ai pas vu quelle était ma famille. Donc 2, 2 plus x et x carré moins 3x. Donc ça fait alpha fois 2 plus bêta facteur de 2 plus x plus gamma facteur de x carré moins 3x est égal au polynôme nul. Oui, mais... passer à la suite. Donc il faut que je fasse ça. D'après vous, comment je vais mener mes calculs? Qu'est-ce qu'il faut faire toujours quand vous avez des polynômes? C'est toujours la même idée là. Là, ça n'a rien à voir avec à la limite des notions de famille libre ou notions d'espace vectoriel. J'ai des polynômes de degré 0, 1, 2. Comment je vais faire mes calculs pour essayer de déduire quelque chose? On va revenir à un système, mais comment on le présente le système pour revenir à quelque chose en intermédiaire, Manon? On va regrouper tous les termes par puissance. Donc ça va me faire du 2 alpha plus 2 bêta plus bêta x plus gamma x carré moins 3 gamma x est égal à 0 de R crochet x. Donc je vais regrouper par degré un peu mieux. Ça va me faire un terme en gamma x carré
plus je vais avoir du bêta moins 3 gamma x, et je vais avoir du 2 alpha plus 2 gamma. 2 bêta, pardon. Égal à 0. De ça, on en déduit, et on le sait, que le polynôme nul, ses coefficients sont nuls. Donc, le polynôme nul n'ayant que des coefficients nuls, que des coef, je vais encore mettre entre parenthèses, rangé par degré. On obtient alors le système suivant. Bah, clairement, gamma égale 0, c'est lié au degré 2. Bêta moins 3 gamma égale 0, c'est lié au degré 1. Et 2 alpha plus 2 bêta, qui est égal à 0, ça c'est lié au degré 0. Bon, bah, faut résoudre ce système. Ça doit aller vite. Gamma vaut 0, donc clairement dans la deuxième ligne. Bêta vaut 0, donc clairement dans la troisième ligne. Alpha vaut 0. J'ai bien prouvé. J'ai même pas besoin de faire de pivot, en fait. C'est juste que comme la première ligne Gaspard, ça me fait un gamma égale 0. Si j'injecte gamma égale 0 dans les autres équations, ça devient instantané. J'obtiens bêta égale 0 et ensuite j'obtiens alpha égale 0. Donc j'ai bien prouvé que si je prends une combinaison comme ça, j'obtiens alpha égale bêta égale 0, donc la famille est libre. Alors on va en faire beaucoup de ces exos-là, mais j'ai envie juste de rajouter un point de cours avant de continuer. Est-ce que ça va sur le concept de cette notion de liberté de famille ? Donc les familles génératrices, c'est celles qui permettent d'engendrer l'espace, mais il peut y avoir trop de vecteurs dedans, qui fait que ce n'est pas une notion qui à elle-même se suffit. La notion de famille libre, ça permet d'être sûr qu'on n'ait pas en gros de direction redondante quand on essaye de faire un espace vectoriel. Par contre, il manque aussi quelque chose à la notion de famille libre. Si dans votre espace ici R3, je vous donne deux vecteurs non collinaires, j'ai bien deux directions indépendantes, je peux montrer que c'est une famille libre, ça ne pose pas de problème. Mais si je suis dans R3, si je suis dans la classe, avec deux vecteurs, je vais générer un plan. Je ne vais pas générer toute la classe. Donc, il faut coupler les deux notions, la notion de famille libre et la notion de famille génératrice, pour avoir une notion intéressante, pour pouvoir engendrer avec le bon nombre d'objets un espace. C'est ce qu'on va appeler la notion de base. Ce qu'on va appeler une base d'un espace vectoriel, c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc, c'est une définition. Une famille U1, UN est une base de E si et seulement si elle est libre et génératrice. Donc, très souvent, on ne va pas vous faire rechercher des familles libres ou des familles génératrices, on va vous faire rechercher des bases et essayer de faire les deux en même temps. Donc, on va refaire un autre exo pour voir ça. En rajoutant ça. Alors, faisons un calcul un peu simple, enfin, quoique il est 13, j'ai pas beaucoup de temps, on va faire un truc pas trop compliqué. On va faire un exercice en plus. Alors, moins 1. Moins 1. Montrer que UVW
est une base de R3. Alors, montrer que c'est une base de R3, ça veut donc dire montrer que c'est une famille libre et génératrice de R3. Alors, très 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 souvent, là on va le faire comme ça, même si ça va être un peu rondement niveau calcul, vous allez le voir, on va toujours se jeter sur essayer de prouver que c'est libre. Parce que prouver que c'est libre, c'est prouver que c'est quelque chose avec un égal 0 de l'autre côté, c'est un calcul plutôt facile, si elle n'est pas libre, l'exo est fini. Enfin, là ici c'est montré que c'est une base, mais si la question avait été ouverte, est-ce que c'est une base, il vaut mieux commencer par libre. Alors tant que je ne vous ai pas parlé de dimension, c'est un peu tordu, parce que vous allez voir que pour faire prouver que c'est une famille génératrice, on va devoir refaire les mêmes calculs en un peu plus lourd, donc autant faire les calculs lourds en premier, et après faire et en déduire des calculs simples, plutôt que faire des calculs simples, et refaire un peu la même chose un peu plus lourd, c'est un peu tordu. Alors dès la fin de la semaine, dès demain ou mardi prochain au pire, on aura introduit la théorie de la dimension qui permettra de dire que tout simplement, il faut combien de réels pour générer un vecteur de R3, un vecteur x, y, z. 3 réels, ici je vous ai donné une famille de 3 vecteurs, si elle est libre et qu'elle a le bon, ce qu'on appellera le bon cardinal, ce sera une base. Et on n'aura pas besoin de faire la deuxième partie sur la famille génératrice. Donc on va se concentrer surtout sur libre ici, je pense pas que j'aurai le temps de prouver générateur, je reprendrai ça demain pour prouver générateur de cette famille. On va quand même en faire quelques-uns de prouver qu'une famille est génératrice, mais très souvent on n'aura pas à prouver génératrice, on passera par un argument de dimension. Alors allons-y. Est-ce que UVW est libre? Qu'est-ce que je pose comme calcul? Arthur? Gamma, le vecteur nul de R3 en fait. Donc ça, ça va se retraduire par du alpha 1 moins 1 0 plus bêta 1 2 1 plus gamma moins 1 moins 1 3 est égal à 0 0 0. Donc je vais écrire ça sous forme de, tiens, je vais encore vous embêter avec ça. Je vais écrire ça sous forme de matrice augmentée en mettant, cachant ma multiplication par le vecteur alpha, bêta, gamma. Ça va me faire du 1, 1, moins 1, 0. Du moins 1, 2, moins 1, 0. Et du 0, 1, 3, 0. Qu'est-ce que vous... Donc, on est clairement dans le chapitre précédent. Hein. On va faire des pivots. Ça me paraît plus simple pour essayer de trier. Bah, tiens, je vais essayer d'échelonner ma matrice, de prendre ce pivot-là. Sinon, le pivot en bas ici avait l'air très intéressant aussi. Comme ça, j'ai juste qu'à faire L2 reçoit L2 plus L1. Ça va me mener au système 1, 1, moins 1, 0. Enfin, je vois toujours du 0, 0 de l'autre côté. Je fais la somme des deux, ça va me faire du 3, moins 2. Là, je vais clairement faire un pivot plutôt sur ce terme-là. Je vais donc faire deux opérations. D'un côté, il y aura du L2 qui reçoit L2 moins 3L3 et je vais inverser L2, L3. Si je fais ça, donc ça va me donner du 1, 1, moins 1, 0. Ma deuxième ligne va devenir 0, 1, 3, 0. Et ma troisième ligne, si je fais moins 3 fois, ça va me faire du 0, 0, moins 11. Alors, il faut savoir retraduire ça en termes de système. Une fois que vous avez fini de faire vos calculs, ça me fait du moins 11 gamma égale 0, du bêta plus 3 gamma égale 0, et du alpha plus bêta moins gamma égale à 0.
Alors j'aurais pu remonter mes pivots pour faire une diagonale, enfin pour diagonaliser un peu plus ma matrice et mon système, mais avec mon moins 11, j'avais pas trop envie. Sachant que ma dernière équation me donne clairement gamma égale 0. Donc ma deuxième équation me donne clairement bêta égale 0 et la première me donne alpha égale 0. La famille est libre. Voilà. Comme il va être l'heure et que j'ai pas le temps aujourd'hui de faire ça, je vais reprendre ça demain, mais pour aujourd'hui, on va admettre un petit truc, c'est que la famille est libre, et on arrêtera là. La famille est libre et de cardinal 3, c'est-à-dire qu'il y a trois éléments dans la famille, avec dim de R3, la dimension de R3 qui est égale à 3, c'est une base. Je vous expliquerai ça proprement, je vous l'ai dit, soit demain, si on a le temps, si on peut avancer un peu sur le cours, parce qu'on a fini, sinon... On a parlé de famille libre et génératrice, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et sinon, pire mardi, on saura ce que c'est qu'une dimension d'espace vectoriel et pourquoi ça c'est vrai.